Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode sur Satisfactory. On est en train de se créer, enfin je suis en train de me créer un assemblage, une usine, une vraie belle usine quoi. Hop. J'essaie de faire quelque chose de bien, de stylé. Et maintenant, il me faut des groupeurs. Hop. Donc, là, je sors du combien j'ai dit ? Du 30, hein. Du 30. 30 et 30. Donc là, je peux sortir un 60. Donc ça veut dire, lui, il suffit encore. Part de là, il va là. Donc là, j'ai combien? Là, j'ai 60. 90. 90, 90, 90. Le MK2 suffit. Il manque quoi pour faire ça? Plaque de fer. Les plaques de fer. Allez. On va aller chercher des plaques de fer. J'en ai des plaques de fer. Ah, à renforcer. Allez. Hop. 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 Voilà. Donc ça se passe plutôt bien. Ici. Ça va servir de stockage. Pour pas perdre de place, ça peut valoir le coup d'en faire un à l'étage. C'est dans organisation. Bah ouais, mais si je le mets dans ce sens. Ah non. Et c'est là qu'on voit que mon bâtiment n'est pas assez large. Et c'est le drame. J'aurais dû faire des convoyeurs centraux. C'est pas grave. On pourra toujours améliorer ça.
dans le futur. Non, parce que j'ai pas plus de place. Bon, c'est pas grave. On va se faire. Est-ce que je peux me faire une dalle en plus? Ouais, on va devoir se faire une dalle en plus. Conteneur. Quelle place que ça prend? Organisation. Il en faudrait carrément encore un en plus en rangée. Ouais, ouais, oui, et ben je le saurais. Ça vaut carrément le coup de tout casser, tout recommencer là. Alors, on va se faire tac, 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 tac. Organisation, un conteneur en face de lui. Se faire un peu de peinture et après on va aller chercher la tronçonneuse. Donc on peut peindre là. Non, pas les façades, c'est ça. Ok, ça snipe très bien. C'est quoi ça comme minerai que je vois là-bas? C'est le cuivre? Non. On va s'armer. Ah mais là la tronçonneuse, c'est bon. C'est juste que j'ai pas de carburant. Calcaire. Calcaire, calcaire, calcaire. On en a foison du calcaire. Je regarde un peu ce qu'il y a autour. Je cherche s'il n'y aura pas des bestioles.
voit bien des limaces, mais on voit pas les hostiles. Je suis jamais venu de ce côté-là du jeu. Ah, il y a des choses intéressantes là-haut. On explore ensemble, hein, c'est aussi un jeu d'exploration. Ouais, ce serait dommage de faire que de la construction, hein, ça reste un jeu d'exploration comme je vous le dis. Ah ! C'est quoi ces bestioles ? Yeah, ça m'a des frissons. Je comprends pourquoi il y avait un mog. Arachnophobe. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est quoi ça? En plus, ça loot rien, c'est saleté. Ah, j'aime vraiment pas ces bestioles. Je me demandais pourquoi il y avait un mode arachnophobe. Bah, maintenant, je suis servi, je sais. Calcaire. Mais j'ai cru voir quelque chose. Voilà, c'est ça que je cherchais, c'est les petites bestioles qui sont par là. C'est eux qui me manquent pour ma quête. C'est quoi ça? Du fer? Minerai de fer. Ils ont oublié un peu l'animation là. On va manger un peu. Ah, il se nourrit, c'est cool. J'ai jamais vu ça encore. Allez, on va rentrer à la base. On va aller voir à la base. Avoir des trucs à faire, je pense. Hop, hop, hop. Là, il y a encore du fer, de la limace. Wow, wow, wow. Ok, je suis sur la colline, il va falloir que je descende. Et que je fasse gaffe en descendant. Bon, bah, on aura fait un petit peu d'exploration, on n'aura pas fait que de la construction. Ça permet de s'aérer un petit peu l'idée, les idées. Ah oui, c'est pour ça que je faisais gaffe. Pour pas me taper une chute trop conséquente. Ok. On va aller poser les carapaces, on va se faire la place. Là c'est plein.
En logistique. Logistique. Ok. Il faut que je mette minerai de fer. J'ai quoi encore? Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne. J'ai pas de lingot. C'est passé où tout ce que j'ai? Voilà. Ça, minerai de fer. Merde. Bon, bah tant pis. On verra ça une autre fois. On va les stocker là. Non, ça va foutre le bordel. On va aller voir la base pour mes carapaces de xéno. Parce qu'il y a de la recherche à faire un peu aussi. Pistolet de peinture. Voilà, j'ai encore 49 munitions. Voilà, ça on garde. Là, ça va sûrement être appelé à changer. Ouais, il m'en manquait qu'une, j'en ai chopé deux. Ok. Ça va peut-être pouvoir me permettre d'avoir des armures contre le gaz, justement. Ce serait bien. Ça, j'enlève. Ça, je laisse. Je laisse. Le reste, on va y amener, on va voir. Et ce qui serait bien, c'est que j'achemine. Que j'achemine toutes ces plaques, toutes ces barres, tout ça ici dans des conteneurs. De toute façon, il va falloir que je gagne en verticalité. On va avoir plus d'un étage. On va avoir encore un étage au-dessus de ça. On va doubler la hauteur, je pense. Alors le problème, c'est que là, il faudrait que j'arrive à partir autant que j'arrive. Donc j'en amène 270, il faudrait que je reparte à 270. Mais si je veux faire ça, il va en falloir... J'en suis à combien là? Je suis à 15? À 30? Et là, on va voir. Je suis combien là? 3 x 5, 15. J'en fais encore combien? Je suis à 150. Mouais. Ça, je me gratterai la tête après. Faudrait que j'optimise. Ensuite, d'ici,
je vais repartir. Je vais repartir. Je pense que je vais faire péter les murs surtout. Quoique non, ça me fait des cadres. Ça me fait des cadres à suivre. Mais pareil, hein, il va y avoir de la verticalité là. Ce mur-là, il va péter. Puis je pense que je vais faire la même de ce côté-là. Ça va faire bzup, ça va partir dans tous les sens. Du coup, une fois que j'ai fait mes plaques de fer, ça ressort sur une ligne. Une ligne. Hop. Faut que j'alimente un MK3. Hop. Faut que j'alimente en MK3 parce que je vais en sortir beaucoup. Pourquoi? Parce que là, bah, c'est pas un stockage que je vais vouloir. C'est pas un stockage. C'est pas un stockage que je vais vouloir, c'est de la production. Et je vais vouloir assembler quoi? Je vais vouloir assembler, construire vouloir construire. Je sais pas ce que je vais vouloir construire, je sais plus, j'ai un trou. Les plaques de fer, non, les tiges de fer. Pour faire des vis, il me faut des tiges de fer. Ouais, il me faut des tiges de fer, c'est bien ça. Donc ça veut dire que je vais vouloir faire des tiges de fer. Ok. Pour l'instant, on va sortir ça. Avec ça, je peux en alimenter deux. Avec ça, je peux en alimenter, ça en tire 3, je peux en alimenter 4. On va partir là-dessus pour l'instant. Mur. J'ai pas de béton. Ah oui, purée.
Hop, hop, hop. Ça marche sur les convoyeurs? Non, ça marche pas. Ok. Donc ça marche pas sur les convoyeurs, c'est bien, je le sais. Ensuite. Je suis en quoi là? Je suis en MK2. Et j'ai pas fait mon mur. Jo. On va se poser un pied. On va passer au-dessus. Normalement, on passe en dessous. Alors, maintenant, on fait le séparateur. Hop. On part en MK2. On arrive en MK1. Non, c'est celui-ci. Hop. Et là, on pose un poteau ici. On tire le fil là. Lui, il alimentera lui. Et il faut que j'aille jeter un coup d'œil à l'électricité. Donc ça veut dire là, ça marche. Donc là, j'alimente en 60. Là, je suis en 60 minutes. Là, je suis en 120. Donc ça veut dire que je peux faire du 120 ici. D'accord. On va aller voir l'électricité où ça en est. L'élec. En tout cas, ça marche encore. C'est déjà bon signe. Alors. À la moitié, la capacité est là, même par les pics, je suis pas à la moitié. Donc
C'est bon, on peut continuer. Ok. Hop. Jusque là, ça va. Hop. On va profiter de la vitesse. D'accord, donc là, j'ai embouffé 30. Donc ça veut dire qu'il faut que je parte encore. Avec une production. Un constructeur. Donc comme ça, là j'en renvoie tout là-bas. Mais est-ce que ça aurait pas valu le coup, c'est de mettre un splitter ici. Là, ça vaut le coup, c'est de mettre un splitter. Je l'envoie la moitié là-bas qui part au stockage, la moitié qui vient ici, qui passe en direct, et ça revient du stockage. Le surplus revient du stockage pour alimenter les coups de bourre. Non, c'est ridicule parce que je divise par deux ce qui part au stockage. Donc là, vous profitez de ma réflexion entière. Donc autant tout envoyer au stockage et tout re-ramener. C'est un petit peu con parce que ça fait des allers-retours. Que là, je pourrais en envoyer par exemple. Lui qui se stocke là. Ça, par contre, ça peut être malin. Celui qui se stocke, lui. Ce serait le faire sortir, venir ici dans un groupeur et repartir là. Ça, ça peut être malin, ça. C'est bien, Joe. On va se prendre un groupeur. Juste pour ici, je pars en V3. J'alimente toujours en V2. Ah non, mais c'est ça qui merde. Ah non, non. Bah non, si j'ai du 30 et du 30, ça fait du 60. Là, c'est du V2. Ouais, je pense que je vais pouvoir en taper quand même. Du coup. Voilà. Merde.
Ah bah oui, c'est pas un éclateur, c'est un rameneur celui-là. Bah oui. Il faudrait que j'ai un éclateur ici. Encore, je suis sûr que ça va me flinguer la production, donc non. C'est pas une bonne idée, on va rester comme on est. On va rester comme on est. C'est pas grave. Lui, bah, il est pas perdu. Les tiges de fer, je peux les ramener là-bas. Ta-la-ta-ta-ta-tac, ta-la-ta-ta-ta-tac. Ça va re-suivre le reste. Non, faut que ça passe au-dessus. Ça va passer au-dessus. Hop. Mais on est déjà loin. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse une pause. Parce que moi, je commence à fatiguer. C'est 2h du mat. Je commence pas forcément à avoir les idées très claires, à mon avis. Parce que là, j'ai fait une connerie de base. Confondu entre une sortie, ça commence à être signe de fatigue. Donc, je recontinuerai ça demain, à tête reposée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Si vous avez des idées pour l'amélioration de la base, je vais essayer de vous faire les épisodes rapidement pour qu'on n'ait pas trop de décalage, mais vous aurez au moins une semaine de décalage. Mais dites-les quand même, hein, je suis preneur, il y a des chances que ce ne soit pas fait encore quand vous verrez la vidéo. Mais bon, allez, ciao ciao les amis, à très bientôt.